Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de Zelda The Wind Waker. On est retourné à l'île de l'Aurore, on a juste été voir notre ami le pêcheur qui nous entraîne à combattre à l'épée. Mais, comme on est niveau débutant, il veut nous entraîner un peu plus loin. Il faut le toucher 100 fois contre 3 maximum contre lui. Et c'est pas évident, évident. Tu m'as touché une fois. Alors je rappelle que mon meilleur score c'est 81. Ah, ça y est, je l'ai battu mon score. Zut, plus qu'une fois. Oh, punaise. Je fais combien? 94, meilleur score, super, 6 fois près, 6 points. Il est casse-bonbon. Allez, on est reparti. Il faut qu'on s'entraîne, non? Sinon. Zut.
Allez. Depuis deux coups. Et voilà. Ah, assez. Bon, ça suffira. Oh, oh, 135 fois, tu as fait des progrès, dis donc. J'ai eu tort de dire que tu n'étais encore qu'un débutant. Tu n'es pas un débutant. Tu es un tout petit poussin tombé du nid. Tiens, poussin, ce n'est pas grand-chose, mais emporte toujours ceci. Vous tenez un rubis violet. Vos 50 rubis vierges. C'est tout. J'ai fait tout ça pour ça. J'ai fait tout ça pour un rubis violet qui m'apporte que dalle. Ça va là. Ariane, ne partez plus, n'hésitez pas à votre menu toute seule. C'est nul. Alors, hey Soral, c'est toi? Ah, tu m'as fait peur, j'ai cru que c'était un monstre qui s'approchait. Tu sais, ces temps-ci, il se passe des choses bizarres la nuit, moi je n'arrive pas à dormir. J'ai vu un truc bizarre l'autre fois avant que le pont ne se brise. L'ex-fontaine de la forêt des fées s'est éliminée, une grande flamme qui ressemblait à une fée est entrée dans la roche comme ça, je te jure.
Eh, les diablotins là! T'es qui toi? Quatre-vingt-cinq pour voler jusqu'à cette colline. J'irai bien voir ce qui se passe sur ce gros rocher. Vraiment, ça m'a échappé. C'est un secret, un secret. Quelle colline? Qu'est-ce qu'il regarde? La vache. On va essayer. Oh zut. Récupère un peu. C'est vrai que j'avais oublié d'aller voir celui-là. Mais c'est toi, Serval. Tu n'es pas blessé, tant mieux. Depuis ton départ, ta grand-mère va mal, tu sais. Elle garde le lit, elle mange presque plus rien. J'étais justement venu demander à mon grand-père s'il n'y aurait pas par hasard un remède pour la soigner. Ah. Tu es de retour, ma petite. M'a dit que ta grand-mère n'était pas en bonne santé ces temps-ci. Je suis sûr qu'un peu de poudre de fée la remettra d'aplomb. Mais les fées se font en ce moment. Autrefois, j'avais l'habitude d'aller là-haut, à la fontaine de la forêt des fées. Il y en avait plein, j'en enfermais dans mon flacon, je jouais avec elle. Depuis que la fontaine a été bouchée par ce gros rocher, j'ai pas vu l'ombre d'une fée. D'accord.
voir si on peut pas y aller par là. Ici, on grimpe tout là-haut. Ça fait loin pour sauter quand même. Hein. Surtout que j'ai plus assez d'énergie magique, moi. Ah voilà. On va retenter, faire une petite tentative. La moitié. Voilà. Fou. C'est quoi ce gros machin? Pas la force de, ni de le sauver ni de le briser ce rejet pour le moment, mais un objet qui te donne cette force doit pouvoir se trouver quelque part. Alors à sa recherche. Thank you.
Non, ça marche pas. Ben non. Ben on va s'arrêter là pour le moment parce que je ne sais pas trop quoi il faut faire. Je vais faire des petites recherches de mon côté et puis on se donne rendez-vous la prochaine fois pour la suite. Ciao ciao tout le monde!